Bien la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le week 8 sur Madden. Ça faisait un petit moment, petits travaux chez moi, donc on a pris un petit peu de temps la semaine dernière. Aujourd'hui on est reparti, week 8 face aux Cardinals. On est à 3 victoires, 3 défaites, on a un bilan plutôt médiocre, on va dire, en ce début de saison. Pourtant, elle est bien commencée. Hein. On était à 3-1 en ratio de victoire-défaite. 3-3 maintenant. À nous de nous relancer sur ce match-là. On lance tout de suite la famille. C'est parti. Let's go. Hello everyone, I'm Larry Ridley and this is the NFL on EA Sports. The hatred runs deep between these teams and no position feels the pressure of a rivalry game more than quarterback. Can this fella look past the emotion of the game and deliver a victory for his team? It's the Cardinals going up against the Rams. Et c'est parti. Les Cardinals face aux Rams de Los Angeles. Donc face à nous, bien sûr. Aujourd'hui, match important, on va dire. Il faut se relancer, il faut relancer une série de victoires. On va devoir se donner parce que sinon, on pourra dire au revoir aux playoffs. En tout cas, aujourd'hui, c'est un vrai match important. Il faut relancer la machine et ça va commencer tout de suite, la famille. Faut être concentré. Et allez, on commence à l'attaque. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de commencer en attaque en premier. Comme ça, au moins, on va pouvoir mettre en place notre jeu. On va commencer par une chance. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait une petite semaine. Au moins une petite semaine, voire un peu plus. Parce qu'on n'a pas trop eu le temps. Et quand ça fait un petit moment que j'ai pas joué, souvent, je suis bien meilleur. Et regardez cette passe vers Britt, putain, normalement tu la gardes dans les mains celle-là. C'est pas grave. En tout cas, on avait vu la belle ouverture de passe. On va partir sur ça, on va essayer de convertir une 10 rapide quand même, parce que sinon ça nous mettrait déjà en difficulté dès le début du match. Ouais, c'est sorti trop vite sur moi et la première offensive qui pour le moment est catastrophique, 0 sur 3 la passe. Pas un très bon début de match tout ça. Et allez, de retour à l'attaque, ils ont mis un petit field goal. Va vraiment falloir qu'on passe quelques bonnes attaques là. On convertisse des passes. Parce que sinon, je vais vite me retrouver mal. Allez. Pour les 10. Oh là, c'est sorti très vite sur moi encore une fois. J'arrive pas là pour le moment. 0 sur 4 à la passe. J'arrive pas du tout à mettre en place mon jeu. Et ça serait bien. Non mais il faut que je me mette en confiance. La première ça va être la plus dure. Clairement la première ça va être la plus dure. Après une fois que ce sera fait, ça devrait aller tout seul. J'ai mis trop de temps. J'ai mis beaucoup trop de temps. Et en plus je perds le ballon. Oh là là. Troisième on a. Bon ça va, on a pris les yards. Mais c'est compliqué là. Je me prends des boîtes, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à mettre en place mon jeu. Allez, deux petits yards à franchir pour convertir nos premières tentatives des 10. C'est une bonne idée quand même hein. Voilà, il devrait être bon. Et là on lâche. Et on n'arrive pas. On n'arrive pas en attaque là. C'est une catastrophe ce début de match. Allez, on se retrouve à l'attaque. On n'a pas pris de points cette fois-ci. Ça commence à aller un peu mieux en défense. Nous, en attaque, pour le moment, c'est toujours pas ça. Hein. Aucune passe réussie. Les seuls yards gagnés, c'est quand j'ai couru. Donc, on va voir vite. Ouais, je vais y aller. Voilà. 10 premiers yards passés. Le flag, je sais pas contre qui il est. J'espère qu'on pas contre nous, quand même, pour une fois qu'on passe les 10 premiers yards. C'est pour nous. On prend, merci. Ça fait plaisir. Allez, maintenant on se retrouve dans une bonne position. On rentre pour la première fois du match dans leur camp. On arrive proche de la fin du premier quart-temps. Encore une minute à jouer. T'inquiète, je cours vite mon gars. Je suis tellement pas en confiance à la passe que j'ose même plus la lâcher. Et on prend que du gain pour le moment avec mes courses. Donc c'est d'un côté c'est bien, mais d'un va falloir quand même passer quelques passes. Hein. On va partir sur une course latérale, essayer de faire dans la facilité, jouer avec Austin. Logiquement il devrait être bien. Alors le flag, j'espère qu'il est pour nous, parce que sinon on ne franchira pas ces deux petits yards restants. On va voir tout de suite avec l'arbitre.
Ça va, on a, ils sont gentils avec nous là pour le moment. Ils sont vraiment cool avec nous parce que on a beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Allez, sur la ligne des 30 yards, 40 secondes encore avant la fin de ce carton. Ouais, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je joue très mal là. Je joue très très mal. J'ai aucune solution. Je suis vraiment catastrophique là. Très clairement, je pue la merde. On peut le dire. Ouais, je pue la merde. Bon, après, bon. Logiquement, pas vraiment. Hein. On n'est pas vraiment en distance de field goal. On est un poil loin. Mais ça devrait être possible. Ah, elle est trop longue, c'est nul ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est vraiment nul. On n'a pas passé une passe encore, 0 sur 8 à la passe, c'est une catastrophe. Allez, on repart à l'attaque, dans ce deuxième quart temps, 3-3, on a égalisé sur le field goal de l'attaque précédente. Ça serait bien quand même à un moment donné que je réalise une passe, c'est assez flippant là pour le moment. C'est assez flippant. Oh là, j'ai failli me faire intercepter. Oh là 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 là. Bah allez, la dixième, ça va être la bonne quand même. Sérieusement, je peux pas faire 0 sur 10 à la passe. C'est clairement pas possible. Ok, les Cardinals sont bons, mais c'est moi qui pue la merde. C'est clairement moi qui pue la merde là à la passe. Allez, elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Première passe, putain, les mecs. Wouh! Exceptionnel la première passe. On va tenter une slant pour celle-là. On va prendre notre temps. Voilà, le petit bride. C'est bon, la machine est en route. Ça y est, il en fallait une, tu vois. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut au moins une. Une action, une passe réalisée. Et après, on rentre dans notre match tranquillement, tu vois. Ça serait bien de prendre l'avantage quand même avant la mi-temps. Oh, j'ai mis une belle feinte. Oh, c'est un très bon run, ça, tout ça. Très, très bon run. On continue d'avancer. Je suis bien meilleur à la course qu'à la passe hein, sur ce début de match. Mais on va jouer sur un corner. On va jouer sur Beckham. Beckham, j'ai pas été le chercher une seule fois depuis le début du match. Ouais, sorti très vite, mais Beckham il l'a. Et Beckham qui va au touchdown, la famille. Et voilà, la première fois qu'on va le chercher, les passes, ils ont commencé à fonctionner. Ça a pas rigolé derrière, touchdown. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien dans cette quasi fin de deuxième carton. Et Beckham qui longe cette belle ligne de touche et on marque notre premier touchdown du match. Allez, c'est reparti. On est reparti à l'attaque. Comme des grands. Et on est très très bien placé, la famille. Il y a eu gros fumble pour nous. J'ai voulu y aller en mode on y va en poussant, tu vois. C'est pas passé, on va jouer une course maintenant avec Hurley. Il peut le faire, lui. Je pense, ouais, j'aurais même pu faire un QB run, tu vois. J'aurais même pu faire le crevard, mais bon. Hurley, faut qu'il nous montre hein, qu'on peut compter sur lui dans ces moments-là. Et il va y aller, la famille touchdown. C'est bon. On part très très bien là. On finit très très bien cette première période pour le moment. Deux touchdowns, coup sur coup. Hurley qui nous met un nouveau touchdown à la course. Ça va faire du bien au score, ça. Allez, sur quoi on pourrait partir là? On pourrait partir sur une petite. La smash, c'est pas mal. On va faire du corner. Le corner, c'est ce qui nous a permis de marquer hein, tout à l'heure. Avec Beckham, ça va être un peu plus couvert, je pense, que sur son côté. Ouais, c'est bien plus couvert. Escobar, c'est bien. On rejoue vite. J'ai envie de garder le temps mort pour le moment. On replace l'équipe rapidement. 16 secondes encore avant la fin du carton. Escobar encore qui va nous franchir cette ligne. Et je pense que là, on va prendre le temps mort. Et ça va partir en field goal. Et voilà, le retour dans la deuxième période. Troisième carton. On a mis le field goal hein, avant la mi-temps.
ce qui nous met vraiment dans une position très large là, 20-6. Ça fait du bien, on a mis du temps à démarrer quand même dans ce match. On s'est fait peur au début de match, j'ai eu très très peur. Quand tu fais 0-9 à la passe en tant que QB, c'est pas très rassurant. Et Escobar, il continue son festival à la réception. Et on continue d'avancer. Pour le moment, on est en train de les assommer très clairement dans ce match. On est en train de clairement de poser notre emprise sur le match, j'ai envie de vous dire. Notre grosse domination. Et ouais, Austin. Oh là là, Austin, grosse fin. Oh là là, Austin. Et c'est énorme ce qu'il est en train de nous faire. Il va partir au touchdown. Incroyable touchdown d'Austin. Amazing touchdown, la famille. Let's go baby, il est magnifique celui-là. Triple, quadruple fin, je sais pas, il a mis tout le monde à l'amende. On va revoir l'action ensemble. Hop, Austin, bim. Il en met deux dans le vent. La petite feinte. Oh là là là, le slalom magnifique. Nouveau touchdown. On est en train de les écraser dans ce match. Très clairement, on est en train de les écraser. Allez, nouvelle attaque, hein, encore 4 minutes dans ce troisième quart-temps. 27-6. On peut quasiment dire que le match est plié. Hein. Elle va être longue. Ah, dommage. Dommage, un poil trop long. Hein. Celle-ci, j'ai encore du mal à me régler. Hein. J'ai encore du mal à me régler en distance. Allez, attention, pas rester dans le mode facile là quand même. On sait jamais. J'ai pas envie de trembler dans cette rencontre. J'ai envie d'être vite assuré de la victoire. Oh là là, l'interception. Oh là là, c'est pas grave. Dommage. Mais on a une certaine avance, donc mais quand même, faut faire attention. Allez, on se retrouve dans le quatrième quart-temps. Ils ont mis un petit field goal. Tout petit field goal, hein. Pas de quoi paniquer non plus. On reste toujours à deux possessions d'écart, mais maintenant ils peuvent vraiment nous doubler. Ils peuvent nous dépasser au score. Attention, 11 petits points d'avance. Ce n'est pas énorme. Oh, il va l'avoir. Putain, elles sont trop longues. Elles sont trop longues, celles-ci, là. Meilleure gestion. Et des lancers un peu plus propres. Allez, c'est parti. C'est dangereux ça, je suis con. Je le sais en plus. Je le sais que c'est dangereux ça. Pourquoi j'y vais comme ça, tête baissée? Et il récupère la balle, bien sûr. C'est trop dangereux ce que je viens de tenter là. Mais heureusement qu'il pue la merde aussi, hein. Très clairement, hein. On va pas se mentir. Heureusement, parce que là, il nous aurait mis un petit touchdown, ça nous aurait mis dans une situation assez compliquée. Mais bon, la cassée est limitée. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Pas de prise de risque. Allez, standard en drive. Ça devrait pouvoir se faire avec Austin. Ou si d'autres solutions s'offrent à nous. Genre ça, c'était dur. Il l'a eu, mon gars. Énorme. Amazing. Ah ouais, il l'a eu. Elle est belle. Elle est vraiment belle parce que là, bah, le chrono est mort. Clairement, je vous le dis, ils auront plus le temps. Hein. On va très clairement tuer leur temps mort. On va faire que du run inside. Et ça va clairement éclater tout le chrono. Allez, Gurley. Première, et c'est un bon run, on prend du yard, on prend clairement du yard là. Allez, le deuxième run, deuxième petit run, on est à 3 petits yards de leur en vue. On peut voir le chrono, hein. Il reste plus qu'une minute maintenant. Et Gurley va y aller, et ouais, le petit touchdown, deuxième touchdown de Gurley dans ce match, ça fait plaisir. Et voilà, mais la victoire est assurée pour cette fin de match, plus qu'assurée même. Mais elle fait du bien, vraiment elle fait du bien. Et voilà, fin du match, victoire face aux Cardinals d'Arizona. Ça fait du bien, 34-16. Gros match, on a mis du temps à démarrer, on s'est fait peur. Mais en face, l'opposition n'était pas vraiment présente. Ils ont eu beaucoup de mal à se mettre dans le match, ils nous ont mis qu'un seul touchdown. Deux ou trois field goals. Donc au final, on n'a pas vraiment tremblé, même si, voilà, comme je disais au début de match, niveau de passe, c'était pas extraordinaire. En tout cas, victoire qui fait vraiment plaisir. Et voilà, famille, c'est tout pour ce week 8, si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai la mémoire bonne encore là. C'est tout pour le week 8, on bat les Cardinals donc, qui étaient dans le groupe. Pour le moment, face aux équipes de notre division, 3 matchs, 3 victoires. On a battu les Seahawks, les Cardinals et les 49ers.
Donc pour moi, on se situe plutôt bien, on est premier, mais comme vous pouvez le voir, c'est vachement serré. Hein. On est 3 équipes à 4 victoires, 3 défaites, et bon, les 49ers sont catastrophiques. Hein. Une victoire, 7 défaites. Donc eux déjà, ils sont hors course. Mais voilà, on va être 3 équipes à se battre, et on sait très bien que, vu notre ratio, la première place va être très importante de la conférence, enfin de la division. Et voilà, prochain match, on joue face aux Chicago Bears, qui font une bonne saison. 6 victoires, 2 défaites. Donc il faudra faire attention. Ça sera le week 9, ça sera lors de la prochaine vidéo. La famille, sur ce, je vous dis à très vite. Allez, ciao.